Et bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, surprise pour Esteban, on va à Londres. Voilà. Donc, il ne sait encore rien. On n'est pas encore arrivé. Là, je suis en chemin pour aller le voir, justement. Et ça va être une très très bonne journée. J'espère que ça va marcher, ce caméscope, parce que j'en suis toujours pas sûr. Ça fait un petit côté vintage, voilà. Du coup, la direction Gare du Nord, il est très tôt. Il est 6h30 du matin. Et voilà. Ça va être rigolo. Du coup, bah, je ressors cette caméra quand je serai avec lui sur le chemin de la gare. Du coup, à toutes. Un petit peu. Non, on voit un petit peu. Bah, attends, Estebano, bonjour. Bonjour Alexandre. Comment tu vas, Estebano? Je suis un peu fatigué. T'es un peu fatigué? Il est 6h31. Ah, 6h. Ah oui, il est très tôt, oui. Et alors, qu'attends-tu de voir lorsqu'on ira à la gare? Bah, la gare, je pense qu'on va rentrer dans un train. Ah, C'est c'est pas mal, possible. c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne avancée déjà. Après. Comme j'ai déjà dit précédemment, à part un parc d'attractions, où je sais pas, je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre qu'un parc d'attractions pour l'instant. Ah bah. Parce que, en fait, on partirait pas si tôt pour autre chose. C'est vrai. Ah, peut-être pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Mais bon, je vois pas d'autre Ah oui. chose. Bah, on verra. Ça, c'est le grand mystère. On verra de toute façon. Eh, en vrai. C'est très rigolo parce que tu n'en doutes pas d'un seul moment. Ah oui? J'ai éteint. Voilà. Bonjour Esteban. Ah, ça filme? Ça filme, ça filme. Ah, d'accord. C'est moi, c'est moi. C'est lui et c'est moi. C'est drôle parce que notre train il est en avant, il est en. Nous sommes à un train à prendre, du coup. Enfin, un petit train. Un train. Film les quoi là. Mais à nous deux, du coup, je mets au milieu, je sais pas. Ah oui, d'accord. Alors, il est 7h35. On le prend en bas ou en haut le train? Tu fais une personne là, tu sais. C'est pas grave, il y a moi. On le prend, bah c'est ici, c'est sur ce quai-là. Parce qu'en bas, c'est tous les trains d'Île-de-France. Moi, je t'ai dit hier, on va prendre l'Île-de-France. Oui, c'est que là. c'est la France. Non, mais c'est pas l'Île-de-France. Ah, bah d'accord. Du pas coup, Marseille Foot, ou bien Marseille. Ah, peut-être. Du coup, notre train, on pourra commencer à y rentrer d'ici 10 minutes, 15 minutes. Okay. Non mais t'inquiète pas, on n'est pas pressé, on a le temps. Regardez les panneaux. Alors regardez les panneaux, il va essayer de deviner avec les petits panneaux. Filme dans l'autre sens parce que sinon ça va être très, très embêtant pour toi. Oui, je vais filmer dans l'autre sens. Et ma situation, elle filme dans l'autre sens. C'était juste pour que ce soit plus pratique pour toi, Esteban. On pourra commencer à y aller d'ici 10-15 minutes, Esteban, dans notre train. 10-15 minutes, on pourra commencer à y aller. Je pense qu'on irait plus à Creil. Peut-être à Creil. Je sais pas ce qu'il y a à faire à Creil. On va pas à Lille quand même. On pourrait aller à Lille. Bah ça me fait plaisir. Ah oui, on va s'amuser à Lille. Si c'est juste. Oui, bah super. Bah super, super, super ça. Super, 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 super. L'aide du train. Ah, coupe. Non. Non, c'est du coup, j'ai tout dévoilé maintenant. Oui, d'accord. Bah, attends, on va aller là-bas, là. On va chercher un petit truc. Donc, on prend le train. On va prendre le train, évidemment. On va chercher un petit truc au relais, alors. Ok, on va chercher un petit truc au relais. Allez, hein. On va se faire un petit. C'est ça, c'est pour nous, on s'en fout. Hein. Bah oui, c'est bien.
On va s'amuser dans le train. Hâte. On a quelques heures de train, je crois. On a 3 heures, je crois. Bon, ah, c'est luxe. L'humaniser, non? D'accord. Pas d'accord. Dans les matchs. Il y a beaucoup de queues, on va peut-être pas venir en fait. Oui, là, on va toute la mienne. Ça va faire les ramas et puis là. Ça ira, ça ira. En tout cas, on va s'arrêter là, mais ça, on va pouvoir regarder sur les petits panneaux. Ok. Alors, indice. Je vous donne un petit indice, vous allez pouvoir deviner. Oui. L'enregistrement est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a la voix, là, il est... Sans doute. D'accord. D'accord. Pas à Creil. Sans doute on va à Creil. À Creil. Non, pas à Creil. Ce serait bête qu'on aille à Creil. Mais c'est quoi, coucou LMBFFE? Je ne sais pas, mais j'ai un truc dans ma poche. C'est ce que j'ai trouvé? Non. Sur la poche? Non. Deux passeports. Ton petit passeport. Tiens, ça c'est le mien. D'accord. Tu as fait ton petit passeport? Et on a un train à 8h39. Attends, 8h39. Je redéfile. On va à Londres. Oui. Bon, bah, allez, on va à Londres. On va à Londres. London Baby. Bah, allez, on y va. Alors, Esteban, qu'en penses-tu de ce voyage? Ah, c'est très bien, vous voyez là vous. Ah, voilà. De ce voyage. C'est mieux avec la. Voilà. Alors là, on prend. Là, on est devant Big Ben. C'est pas mal. Ah oui. Si vous avez un papa marqué. Je vais zoomer un peu sur Big Ben pour qu'on la voit mieux. Il y a moi aussi. Hein. Attends, fais voir ton visage. Ah oui, c'est toi. Voilà. On est très contents. Voilà, c'est formidable. C'est génial. On va aller maintenant à Buckingham Palace. Alors on va à Buckingham Palace. C'est par là. Attends, c'est par où, c'est par où, c'est par où. On va regarder en live par où c'est. On est perdu là. Alors c'est où Westminster? Si Westminster est là. Bien. Ok, on est là. Westminster. Mandela. Un mec qu'on connaît pas trop. Là-bas il y a Gandhi. Ok, c'est par là, c'est ce que je disais. On y va à Buckingham. On se retrouve à Buckingham Palace, les copains. Chat-chat, les copains. Je vais faire un petit montage, je mettrai tout. Voilà. Non, mais c'est quand même terrible. Ça. Alors. Pourquoi? Pas le droit de finir. C'est pas du tout le chapeau de Napoléon. C'était de dos, mais en fait, c'est un cancer. C'est pas grave, c'est pas grave. Depuis enfant sur le panneau, laissez passer. Avançons, avançons. On y va. Fire. C'est un acteur connu. Ah oui? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, du tout. Hello! Ouais, on est à Londres, quoi. Hein. On est à Londres, ouais, oui. Il y a le musée des portraits là-bas. C'est pas le musée des portraits. Et voilà. Des tarés dans la rue. Là, ça aussi, c'est très connu. Hein. Ouais, très connu, à peine. Il semble. Et puis derrière,
Derrière, il y a Londres, enfin, je veux dire, il y a le... Il y a Londres derrière. Il y a le Big Ben, quoi, par là-bas. Par là-bas, on l'a vu tout à l'heure, mais là, on ne voit plus, malheureusement. Voilà, c'est dommage. Désolé, désolé pour vous, les internautes. Ah ah, il y a les Condés. Il y a l'Endec qui arrive. Voilà. C'est malade, les Anglais, de faire des trucs pareils. Des gros fachos. Ils font toujours la même chose. Toujours avec... Mais tout le temps, quoi. Il roule à gauche. Tu vois, là, je voulais voir un conducteur. Je peux pas, il est à droite. Mais il roule à gauche. C'est des malades. Des malades mentaux. Ils crient tous. Ils sont en train de crier dans la rue. Voilà. Hello. 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 J'ai très peur maintenant. Ouais, bah, c'est des amis, c'est des patriotes à nous. C'est des patriotes, pas nous surtout. C'était des Français, les mecs. Regarde sur la vidéo. Ok. Là, bien, bon, c'est vrai que c'est nous, alors comme c'est nous. Voilà. Voilà, c'était un moment un peu gênant. Ignoble. Que moment. Voilà, on va aller se jeter dans la Tamise là. Mais avant, on va prendre un petit goûter parce qu'on n'a pas pris de dessert en fait. Du coup, ça urge. Alors, on a acheté un petit dessert de 500 grammes. Si on a acheté un demi-kilo d'M&M's avec nos têtes, mais en fait, on les voit mal. Pour 25 pounds, soit 30 euros. Voilà. Avec son argent à lui d'ailleurs. Avec moi. C'est bon, c'est oh, c'est beau ça, c'est quoi? Ça? Oui. C'est. Ouais. C'est connu. Hein. C'est très connu. C'est très connu? C'est très connu. Ok, je note. Oui, c'est. Oui. Bah, c'est le ministère de l'écologie. Hein. Ministère de l'écologie. Ah ouais. Voilà. Parce qu'il y a un petit arbre en dessous. Merde, un arbre blanc. Il y a le son sur ton truc, il y a pas le son. Je sais même pas s'il y a du son. On dirait si vous m'entendez. Il n'y a pas écrit s'il y a du son. Ah, il y a Rock Ben, King Big Bang, King Big Bang. Ah, il y a Big Bing, il y a Bing Bang, Bing Bang Bang. Big Bang Bang. Mais c'est parce que je sais pas où jeter ma cigarette. Parce que. Bah, s'il n'y a pas de garde royaux, tu peux le lancer par terre. Mais non, mais c'est les gens, tout le monde me regarde. Je suis seul à fumer dans la rue, c'est terrible. Oui, ça, c'est ce que ma mère disait souvent, c'est que vraiment, quand tu fumes dans ces pays-là, on te regarde comme si. Ça va, j'ai tué personne. Hein. Ça va, ça c'est va. Bon, c'est bon. Est-ce que je me mets dans la rue en faisant j'essaie de brûler, j'ai brûlé. Non. Bah non, bah non. Bah non, bah non. Voilà, en fait, c'était Rafle. Le monde un de Rafle. Ça vient de là, le monde de Rafle. En fait, c'est pour ça, c'est nous, ils avaient fait le monde de Ralph. Et voilà, c'est là qu'ils ont filmé. Ah oui? C'est les studios du monde de Ralph. Mais non. Moi j'ai fait la doublure, en fait, on me dit souvent que je ressemble un peu à Ralph. Ah oui, le gros monsieur là? Oui. Ah ouais. Parce que Ralph en plus c'est bien une petite fille. Ouais. 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 Tu connaissais la petite fille de Ralph? Non. Ouais, mais si. Tu te souviens? Ah, Pénélope? Oui, ouais. Ouais. Pénélope, ouais. 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 Oh, des chevaux! C'est vrai? Oh, des vrais chevaux! Ah, mais attends, c'est peut-être là du coup, Downing Street! Attends. Je me recueille. Vas-y, recueille-toi. Il y a plein de gens qui ont été. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'angoisse. C'est pas grave. Non, mais. Si. Oh! Ça brûle. C'est bon que ça brûle. Si c'est, je peux faire ça là. T'inquiète. Mais ça, on le verra. Allons-nous-en. La Scotland Yard va nous attraper. Beware, horse may kick or beat. Voilà. Ah non, c'est une petite dame que j'ai fumée là. Attends, je vais y aller après. C'est vrai? Je vous. Ok. J'ai arrêté, justement, j'en ai pris un nouveau. Ok.
fait plusieurs fois chez toi. Allez. Oula, non, c'est assez pas pour nous. C'est l'Ukraine. Oui, c'est l'Ukraine. Ça, c'est très important. C'est très important aussi parce que j'ai pas envie de parler russe dans 2 ans. Donc voilà. Mais en fait, je m'en fous de l'Ukraine, moi, à la base. Hein. Moi, c'est juste que j'ai pas envie qu'ils m'envahissent, moi. Donc, c'est compréhensif. Tout que les Ukrainiens, bon. Monsieur de la Bête nous le disait, ce sont des fachos. Ah oui, les Ukrainiens, c'est des fachos, ouais. Ah bah oui. Ah oui. À qui le dis-tu? Un facho. Non, mais. Non, mais alors. Alors là. Alors là, oh les beaux bâtiments, c'était bad, tu les aimes ces bâtiments? Filmez ma carte d'adhérent au parti, filmez-la. Filmez-la. Allez. Allez, comme ça là. Voici les Champs-Élysées. Britannique. Ah bah c'est laid. C'est très laid. C'est laid par rapport à chez nous. Chez nous c'est beaucoup plus beau. Ouais. Ça, je le dis au effort. Hein. Attends, on va se mettre de côté pour chercher la gare. C'est peut-être mieux de se mettre de côté en effet. On va voir vers où est Saint-Pancras. Si c'est pas trop loin, peut-être y aller à pied. Hein. Ah peut-être, hein. Si c'est un peu trop loin, on n'ira pas à pied. Ah, j'espère que je suis pas trop rouge à la caméra, je pense que si. Ah, j'espère pas, mon petit gars. Alors, Saint-Pancréas, ça c'est important de le dire. London, Saint-Pancras. C'est 50 minutes, ça fait un peu beaucoup. Et regarde pas le train. Alors le train. Pas le train. Le train. 22 minutes. C'est peut-être mieux, non? C'est pour ce que je te propose, c'est qu'on marche jusqu'à la prochaine station. Et par le bus, t'as pas un truc bus, une option bus? Bus. Quand tu cliques sur le train et puis t'as peut-être des bus. Bon, ça c'est des bus ça. Le 13. Ouais, mais après faut prendre le. Ah bah le 30 alors, regarde le 30. Oui, ça fait 33 minutes. Ah ouais. C'est pas grave, on sera quand même en avance. On sera à 17h45. Ouais, bon, autant prendre le métro. Hein. D'accord. Là-bas. C'est pas un truc là. Ah non, c'est du bus aussi. Alors, bon, bah alors, laisse-moi regarder le. Laisse-moi checker le premier métro. Voilà. Baker Street. C'est sur la Yellow Line en plus. Oui, c'est pour ça que je cherchais. Oh, d'accord, c'est bien. Non, ça peut être que celle-là. Ça peut être que celle-là. Ça peut être que celle-là. Parce que là, c'est Selfridge qui a marqué en at Selfridge. Oui, c'est bon, c'est Selfridge, ça. Selfridge. On est sur la bonne route. On est sur la bonne route. Ça, déjà, okay. C'est une bonne. C'est un bon point. C'est un assez bon point. En effet. Bah nous rentrons chez nous en France. Oui. Le pays aux 400 fromages et aux 300 particularités viticoles. Et aux 3000 châteaux. Et aux plus belles femmes. Bah oui, quand même. Hein. Quand même. Bah ouais. Je me disais, sur ta tête là, je zoome très fort. Serge Lama le disait. Hein. Ah oui. Femme. Ah, ça s'arrête là. Ah oui, ça s'arrête là. Très bel homme, cet homme-là. Oui, il nous manque trop, hein, Serge Lama. Malheureusement, ses difficultés, son état de santé et le fait qu'il ait un problème au genou l'empêchent de remonter sur scène, c'est assez triste. Il avait fait ses adieux aux Victoires de la Musique 2019, ça fait toujours un petit pansement au cœur d'y repenser, mais bon, c'est pas grave.
C'est dramatique, ça, c'est dramatique. C'est Serge, la maladie. Ouais, ça, on aime ça, ouais. Et t'aimes les autres, t'aimes bien les blagues? T'aimes quoi comme blague? J'aime toutes les blagues. T'aimes les blagues sur par exemple les belles créatures comme toi? Oui. Ouais. Ouais. Et comme moi? Non. Non. Si. Non. Ah oui. Si. Si. Ouais. Ah ouais. Ouais. La Calière, c'est très beau là. Ah ouais? Ah c'est très beau là. Ah si, ça fait plaisir. C'est très beau là. Ouais. Ouais, j'y vais. Non, j'y vais pas. Non, tu risques de mourir là. J'y vais? Non, t'y vas, t'y vas. Pas un gros plan sur David Bowie en vélo là? Ben voilà, c'est Lunettes de Soleil. Oui, je l'ai eu, Ouais, beau. Hein. Il va avec Bruno Le Maire. Ah, dommage. C'était le Tesla, je l'ai eu, je crois. Voilà. Voilà. Tu me parles pas trop? Tu fais que de me filmer ma beauté? Oui. Il y a un cheveu sur ta caméra. T'as plus de cheveux sur la caméra. Non, mais de toute façon, là. Oh, il va à la pêche aux moules. C'est des bottes de pêche aux moules. La pêche au couteau aussi, c'est très goûti. Un petit peu de sel. À Etretat, tu fais ça, ou à Cabourg. Là, c'est magnifique. Après, un petit filet d'huile dans la poêle. Petit peu d'ail, oignon, poivré, parfait. Alors, du coup, là, il nous reste 32 livres. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on nous manque là en termes de choses à acheter? Qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, peut-être des petits souvenirs pour amener à la populace, quoi, l'histoire que ils pensent pas qu'on a mangé que des ribs et des scones à Londres. Alors, c'est ce qu'on a fait. On aurait dû aller passer devant le British Museum pour chercher des prospectus, mais pas rentrer dedans, juste pour faire croire qu'on l'a fait. Non, mais c'est trop loin, je crois que c'est trop loin, c'est excentré. Oui, c'est derrière Buckingham, c'est hyper loin. C'est trop loin pour nous. Ouais. Les bus. Bus. Beau bus. Beau bus. Oh là c'est taxi. Boy boy. Chinois. Les grues derrière les bâtiments. Et les vieilles dames qui attendent au feu rouge. Et comme Nathalie Portman. C'était pas trop elle quand même. Hein. Et ouais. Bah, on va pas au passage piéton et je. Bonjour Joséphine Ange Gardien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pam 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 pam. Tink. Oh qu'est-ce que je sors de mon sac. Joséphine Ange Gardien, tink. Allez. Bah, ça a écrabouillé par une smart. Ça va être génial ça. Plus de feu dans le briquet. T'as plus de drogue. Oh non, j'ai plus de drogue. Oh non. Oh tiens, ça filme ça. C'est dommage parce que. Oh. En plus, il t'aimait bien le monsieur. J'ai eu très peur. Ah oui, il était bien beau. On va peut-être tuer, tu penses pas? Non. Oh, la petite madame. Et tu regardais la petite madame? Elle regardait la petite madame. Oh, et tu l'aimais toi? Tu regardais? Oui, enfin, je sais pas si elle a bien aimé. Elle. Ah oui. Il y aura bien. Hein. Il y aura bien si. Ah. Pierre, de toute façon, tu la verras jamais de toute façon. Non. L'espoir le dira. Oui. Si quelqu'un nous demande, tu dis. Parce que. Because we are filming, because we are French stars. French stars. Voilà. Voilà. Depuis 2015, ça veut dire que c'est assez récent. C'est hyper vieux. Donc je pense que c'est nul. Ça fait 9 ans. Ouais. Alors. Fight Club. C'est hyper récent ça, Fight Club. C'est un petit peu violent quand même. Si ça, je dis rien. C'est un camp de combat quand même. Je suis pas du genre à me battre moi. Si je me bats, c'était avec un stylo. Comme le disait Albert Camus. Ah oui? Non, il disait pas ça. C'est très mal, c'est le stylo. On aurait grave un peu. Non, c'était plutôt. Enfin, c'était. Bref. Salut toi avec les mots, qui se bat. Hey. Avec les mots qui se bat, plutôt. Oui, enfin.
Ah. Voilà. Pourquoi tu m'escagasses? Ah oui? Tu es obligé comme ça de m'escagasser? Oui, c'est fait exprès. Ah. Tu as rendu compte pour la vidéo? Ah oui? Ah oui. D'accord. Ok. Ok. Je comprends mieux. Ok, d'accord. Tu te filmes jamais en fait? Ah, parce que j'ai. Ça me fait mal aux mains si je me filme. Ouais, d'accord. Ça y est. Après, si tu me filmes, ça ira pour moi. Bah, je sais pas filmer. Bah, tu la prends par là et c'est tout ce que tu fais. Ok, tu veux que je te filme? Ok, filme-moi. Ok. Voilà. Ah. Ça tourne déjà. Et pour zoomer, dézoomer, c'est le petit bitonou. Oui, ça, je. Voilà. Coucou. Alors, attends, ça zoome, ça c'est dézoom. Ça c'est dézoom. T'es dézoomé là? Oui. Ok. Coucou. Ah. Oui. Ouais. Alors, tu t'es passé quoi de cette petite journée? J'ai pensé que c'était une journée magnifique. On a bien profité de London, on a vu plein de choses sympas. Ah ouais? Notamment notre très cher ami. Comment il s'appelle ce taré là? Régis Sunak? Non, non, avec du. Non, le gros là. Charles III? Non, le Premier ministre. Boris Johnson, hein? Churchill. Ah, on oui. A bien vu. C'est très compliqué de filmer. Hein? Hein? C'est très compliqué de filmer. Oui, t'as vu, c'est pas facile, hein? Et j'ai trouvé que cette journée était vraiment très enrichissante. On a pu aussi profiter en mangeant de la bonne viande. Et là, vous faites des beaux gâteaux. Ouais. On a pris plein de petites. Ah, on a pris pour 25 euros de M&M's. Ça vaut le coup quand même. Non, même pas 30 euros, c'est 25 pounds. Ouais. Ça vaut le coup. Hein. Oh, regarde, ils vendent des chaussures à la pharmacie. Ah oui, ça, c'est des chaussures synthétiques. Pas mal. Voilà. Ouais, petit train là-bas aussi. Pas mal. C'est beau ce truc-là. Là. Ouais, je filme. C'est assez beau. C'est beau, hein, c'est BG. Hein. Ça, c'est y a un bus là, c'est assez beau les bus. C'est beau, les bus comme ça. Dessus. Ouais. On filme. Ça aussi Coca-Cola, c'est universel. Hein. Coca-Cola. Ouais, ils ont réussi à faire quelque chose de bien, Coca-Cola. Franchement. Ah oui. Tout le monde les connaît maintenant. Ah, ils sont incroyables. Hein. Ah oui. Avant c'était une petite boisson, genre le. Coca-Cola. Ouais. Maintenant c'est une grosse boisson. Alors Oasis. Voilà. Encore plus. Ouais. Ice Tea. Largement plus. Bon, et quand même, Ice Tea, ils sont forts. C'est équivalent à l'eau. Ah, ici, ils font du thé aussi. Hein. Vous savez du que le coca, ils sont plus en Inde que l'eau. Oui, ça, je sais au Mexique aussi, parce que c'est baisé. C'est des gros baisers. Ils sont un peu teubés. C'est fou, ça. Ah, si jamais tu veux arrêter l'enregistrement, ce petit bouton qui est devant. Là. Ok, bon, on va faire une pause. Pause. Alexandre va faire la pause. Tout le monde se rue, Esteban. On est sur rue. Regarde. Foire d'empoigne. Je participerai pas à ça, moi. Je participerai pas à ça. Ces gens excellents. Pas les cours de bois. Moi je suis parti. C'est un parti qui a été fondé par Jean Jaurès et qui prône la paix, d'abord la paix. Donc je ne participerai pas à cette foire d'empoigne, ça c'est non. La guerre c'est pas pour nous. Jamais. Nous on est contre la guerre, c'est très important de ne pas être pour la guerre. Voilà. Je cherche les mains qui applaudissent, mais je les vois pas. Ah, voilà. Je sais pas comment faire par contre pour focus sur les choses. Maintenant tu postes, tu peux reprendre une vidéo. C'est fou ça, c'est bien ça. En fait, je crois qu'on peut le faire depuis longtemps, mais je savais pas le faire. Tu filmes là? Oui, je filme depuis tout à l'heure. Mais ouais, tu. Je sais pas, tu filmes ça. Ah, d'accord. Je drop. Bah pourquoi pas? Non, on fait pas ce genre de choses. Même si c'est très dangereux de garder des petits souvenirs des gens très jolis parfois. C'est un gros zoom sur lui. Tu vois, est-ce que vous adhérez à ces idées-là? Vous me direz dans les commentaires. J'ai fait dans les commentaires. Ah ouais.
Toi, les gens se ruent, c'est bon. Les gens se ruent, c'est bon. Ils sont tous, tous là. Arrête. Bye bye London. Regarde quoi sur mon téléphone? Je regarde la grille TV de Canal. Tu t'amuses sur la grille TV de Canal? Vous voyez, comme Alexandre a des amis beaux, et ben son ami beau doit regarder le match. T'es moi. Mais il le trouve pas. Il le trouve pas. C'est un match mythique peut-être. Bah c'est quand même par sa PSG, les quarts de finale. Il y a du futur ces mecs là. Moi je regarde pas. T'es moi. Mais il y a du futur ces gens. Mille excuses. Et là c'est l'ombre qui s'en va trop loin. Et c'est fou. Il y a des enfants qui hurlent aussi à côté de nous. T'en penses quoi? Alors je pense que. Sachant qu'ils sont venus nous enquiquiner il y a 10 minutes. Maintenant en plus ils font. Je sais pas ce qu'ils pas ce qu'ils font. Je peux vous dire, je sais pas ce qu'ils font, je comprends rien. Et ils parlent un dialecte ancien, c'est de l'hindi. Et bilan sans compter le gars qui ronfle derrière. Alors oui, déjà ça aussi c'est très vrai bilan. En plus j'ai rien trouvé de bon marqué Spencer parce que je crois que ces gens là ne savent pas se nourrir, donc j'ai pris des scones au fromage et des chips. Vous avez des cacahuètes aussi et des cacahuètes, oui, ici. Et moi j'ai un Kinder Bueno, j'ai du jus de porc. J'ai 4 sandwichs de porc et de l'eau. Voilà. Et ça, c'est l'ombre qui s'en va, encore une fois. Ça, c'est une belle montre. C'est une jolie pour les ouvriers français. Exactement. Moi, c'est Casio. C'est pas les ouvriers français. Qu'est-ce que c'est? C'est comme eux. Si, c'est français aussi. Non, non, c'est eux. Ah, c'est eux. Indie. J'ai tout. Allez. C'est un truc là. Indy. Bon, je suis assez claqué. Oui, bah, en même temps, c'est allé très tôt, il est très tard, on a beaucoup marché. J'en ai de fou. Au revoir les gens, à plus tard à Paris. Allez. C'est un petit flash juste ici, je sais pas comment il s'active moi. Restez bas, on te voit à peine, mais alors que cette journée. Ah oui, là, comment, c'est quoi la question? Alors cette journée. Ah oui, cette journée. On fait le bilan là, c'est la fin de la journée. Ah bah, on a vu London Bridge, on a vu Big Ben, on a vu Buckingham Palace, on a vu Piccadilly Circus, on a vu. Oh, beaucoup, c'était très bien. Il y a beaucoup de trucs, hein, on a vu beaucoup de trucs. Voilà. Et en plus, le PSG a gagné 4-1 en fin de soirée. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est quand même assez bien. Parce que un petit bonus. Même si peut-être on va perdre les demi-finales, je m'en fous. Parce que c'est formidable, on a battu Barcelone. Ah, c'est vrai. C'est génial, ça. Voilà. Si rien ne peut nous vous enlever. Coupe la caméra. Voilà. Du coup, allez, au revoir, Esteban. C'est pour le voisin. Bon, bah écoutez, on finit l'enregistrement. Les enregistrements. J'ai pas trop finir correctement, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc très très belle journée. Je suis content de ma petite surprise. J'ai essayé de vous filmer le plus souvent possible parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'en souvenir, ainsi que de pouvoir de souvenir qu'il faut que je filme. Voilà, et aussi du fait que tout bonnement, je sais pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, je suis content d'avoir fait ça quand même, parce que moi j'aurais peut-être des petits souvenirs de ça. Et je suis content parce que du coup je pense que ça a plu relativement, comme cadeau. Voilà, donc vous avez tout vu, vous avez vu la réaction. Enfin, le plus important quoi. L'avant-réaction, la réaction, l'après-réaction. Un petit peu sur place.
on a rigolé, et puis maintenant c'est fini, voilà. C'était donc le 16, mardi 16 avril 2024. C'était très très sympa cette journée-là, voilà. Et donc là je rentre chez moi, on est parti très tôt ce matin, vers 6h30, et là il est plus de 11h. Bilan, il n'y a pas de bilan. Très sympa, tout bonnement très sympa. On ne me voit pas forcément sur la caméra, mais c'est pas grave. Et voilà, je suis très ravi de cette journée. J'espère que d'autres s'en offriront, que je prendrai grand plaisir à filmer encore une fois. Peut-être avec moi, vu que ça sera bientôt mes 18 ans. Enfin, dans 6 mois quand même, faut pas abuser, mais voilà. Bref, au revoir.